J'ai toujours eu une certaine méfiance pour les films qui semblent faire du spectacle un but en soi. Alors ça peut être de bons films, même si on peut légitimement se demander si on est plus proche du cinéma ou du parc d'attractions. Mais je vais laisser ces questions à des philosophes modernes plus concernés et me contenter de vous parler de 1917. 1917, c'est un film sous forme de longs plans séquences, avec quelques coupes souvent assez visibles, où on nous raconte l'histoire de deux soldats qui doivent aller prévenir un régiment que leur attaque va les conduire dans un piège allemand. Bref, un trajet d'un point A à un point B en une vingtaine d'heures. Posé comme ça, le film semble atteindre assez vite ses limites, donc essayons de farfouiller un peu. Impossible d'aborder 1917 sans parler de sa forme. D'abord, 1917 n'est pas le premier à utiliser le plan séquence pour l'ensemble de son film. Hitchcock l'a fait avec La Corde, et on a eu plus récemment Birdman, Victoria et le moins cité L'Arche Russe. Après, il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas, ce qui n'empêche pas qu'on a plein de films actuellement qui aiment bien poser leurs petites scènes de plan séquence au milieu de leur film. Là où 1917 se distingue, c'est que dans La Corde, Birdman et L'Arche Russe, l'espace reste assez cloisonné en un lieu, un appartement, un théâtre et un musée. Pour Victoria, je ne peux pas dire vu que je ne l'ai pas encore vu. Mais de ce que je connais, du coup, 1917 apporte un truc en plus. Le plan séquence nous permet d'évoluer dans un espace. Mais est-ce que filmer ce trajet sans coupe est vraiment pertinent? Eh ben oui, il l'est. Tout d'abord, il permet de nous faire ressentir les distances et les espaces comme jamais, à ma connaissance, un film de guerre n'est parvenu à le faire. Quand vous avez 10 minutes de marche dans les tranchées, ben vous voyez réellement 800 mètres de tranchées avec ses occupants défiler. Et c'est pareil lorsqu'il s'agit de traverser un terrain dangereux pour arriver dans les planque ennemi. Là, on met de nouveau 10 minutes, mais la distance parcourue paraît ridiculement réduite. Le plan séquence nous permet à la fois de prendre conscience de l'étendue des tranchées et de la proximité des ennemis. André Bazin a développé l'idée que le plan séquence rendait l'action plus réaliste, car il permet notamment de nous restituer le temps qui passe. Alors c'est un point de vue qui peut être discuté, je pense par exemple à La Corde d'Alfred Hitchcock qui fonctionne sous le même modèle que 1917, sauf que la temporalité est quand même complètement trahie. Mais ici, avec 1917, j'ai l'impression que c'est moins une question de temps mais d'espace. Le temps n'est qu'une unité de mesure pour nous rendre compte des dimensions des tranchées, de la proximité d'un danger ou encore de la fine frontière qui sépare la vie de la mort. Restituer le temps qui passe dans 1917 me semble pas quelque chose qui produit plus de réalisme. Par contre, le temps mis à franchir ces espaces, sans coupe, là oui. Et je pense donc que c'est plus une question d'espace que de temps. Bon, donc on pose l'idée que le plan séquence permet de rendre la guerre plus réaliste. Sauf que là, on est encore dans la théorie, parce que dans la pratique, il y a 36 manières de déplacer la caméra de façon plus ou moins efficace et il y a mille et un trucs qu'on peut choisir de cadrer. Bah du coup, que choisit de cadrer la caméra? Le 90% du temps, le cadre se concentre sur nos deux cocos au centre de l'intrigue. Du coup, ça vaut la peine de faire un petit point casting. J'avoue qu'ils sont pour moi de parfaits inconnus, et le fait de ne pas prendre de grandes stars fait d'eux des gens lambda comme vous et moi. Et de manière générale, le 99% des gars qu'on voit apparaître à l'image ont des têtes de gens lambda. C'est un truc assez efficace pour renforcer le réalisme de ce que nous sommes en train de voir. Beaucoup disent que c'est un bon moyen pour s'identifier plus facilement aux personnages. Alors que ce soit un moyen de mieux s'immerger, je pense que oui. Mais en ce qui concerne l'identification aux personnages, j'ai personnellement plus de peine à souscrire à cette idée puisque je défends mordicus qu'on peut s'identifier à tout et n'importe quoi sans qu'on ait besoin que ça nous ressemble. Dire l'inverse me semble condamner déjà, tout le cinéma d'animation. Et en termes d'identification, je trouve que BoJack Horseman, une série où on retrouve des humains mais aussi des animaux anthropomorphes, nous invite à l'identification largement plus que la plupart des films que j'ai pu voir. Bref, regardez BoJack Horseman, c'est vraiment cool. Bon, alors on a parlé du plan séquence et aussi de ce qui était montré durant ce plan séquence. Qu'est-ce qui peut bien nous rester avec la caméra? Bah peut-être aussi la manière dont elle nous montre les choses. C'est un aspect qui passe étrangement assez sous silence alors qu'il me semble qu'il s'agit là du point le plus important si on veut voir en quoi le plan séquence n'est pas juste une démo technique qui te plie le game comme un origami. Pour aborder ce qui est montré durant le plan séquence, je vais devoir passer par le travail d'un chef opérateur injustement oublié dans l'histoire du cinéma, sans doute dû à ses accointances politiques. L'Akitu est notamment connu grâce à son travail sur Super Mario 64. Dans la même logique de 1917, l'Akitu va suivre le personnage principal effectuer un trajet, le tout en plan séquence ponctué néanmoins de certaines coupes dues à des limitations techniques. Le système qu'il a mis en place est fort ingénieux et le défi était pourtant de taille, l'acteur principal de Mario 64 ayant eu pour consigne d'improviser totalement ses déplacements. L'Akitu a alors opté pour accrocher la caméra à une canne à pêche et de se hisser lui-même dans un nuage. Il en résulte une caméra qui parvient à accompagner de manière incroyablement fluide notre personnage. L'Akitu est donc selon moi parmi les chefs-op les plus ingénieux de l'histoire du cinéma. 1917 fonctionne dans la même logique. Que nos personnages restent statiques ou courts, la caméra cherchera toujours à les suivre avec fluidité. Cette fluidité de la caméra permet de situer les personnages dans les lieux la grande majorité du temps. S'ils traînent, la caméra va opter pour des mouvements lents où on va tourner autour d'eux. Si les personnages sont rapides, la caméra prendra des raccourcis ou filmera depuis plus loin. On est constamment avec nos gars et on est constamment au milieu de l'enfer.
Enfin, constamment, c'est pas tout à fait vrai. Je dirais, grâce à un outil de calcul que j'ai nommé le pifomètre et que j'ai déjà employé auparavant, que nous sommes le 90% du temps sur nos deux gars. Des fois, la caméra nous montre autre chose. Et si elle le fait, c'est qu'elle veut nous inviter, nous, spectateurs, à être attentifs à quelque chose. Il peut s'agir d'une poupée, d'une poignée de main ou d'une photo. Bah tiens, prenons l'exemple de la photo. Imaginons que notre personnage s'arrête, sort une photo et contemple sa famille qui figure dessus. La caméra se détache du personnage et se focalise sur la photo. Évidemment, on la voit mieux, c'est cool, mais en même temps, elle cesse de filmer le décor de guerre autour d'elle. Elle cesse aussi de filmer le personnage. Ainsi, la caméra nous invite à suivre la pensée du personnage qui regarde la photo, faisant disparaître un instant la guerre autour de lui. Le champ de bataille ne compte plus, sa présence physique en ces lieux est oubliée pendant quelques instants, et nous nous mettons à imaginer le passé de ce personnage avec cette famille que nous retrouvons en photo. Indirectement, nous faisons comme lui, nous quittons le champ de bataille, nous avons droit à un répit. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Si vous n'avez pas vu le film ou pensez le revoir, je vous invite à être attentif à ces mouvements de caméra, car tous les mouvements de caméra de la sorte ont du sens. Après, cet effet trouve aussi certaines limites. La caméra va parfois filmer des trucs qui ont une dimension symbolique un poil appuyée. On sombre alors dans un pathos qu'on pourrait juger un poil facile. Quelques éléments m'ont fait cet effet. Mais pas au point de me gâcher le film, car je le trouve subtil sur bien d'autres points. Par exemple, on a beaucoup parlé de ce que la caméra montre, mais avec cette logique de suivre les personnages, on peut aussi parler de ce qu'elle ne montre pas. Et faire un film de guerre où jamais on ne rentre dans les batailles, je trouve qu'il faut oser. Ce que la caméra ne montre pas non plus, ce sont aussi des détails plus subtils. Lorsqu'on est, par exemple, dans une infirmerie, la caméra pourrait quitter nos personnages et insister sur les blessures ou les blessés, sauf que non. La caméra fait le choix d'être pudique. Il n'est pas nécessaire d'insister, la guerre est déjà assez moche en elle-même. Bon, c'est cool, la caméra met du sens partout, le plan séquence il est grave justifié, etc. Mais j'ai l'impression qu'on oublie quelque chose là. Ah mais oui, l'histoire ! Et pour évoquer l'histoire, je vais être obligé de révéler quelques éléments de l'intrigue. Alors je ne crois pas que les spoils empêchent de profiter d'un film, mais si vous y êtes allergique, je vais laisser ces deux robots effectuer une danse de l'Est pendant quelques secondes et vous pourrez reprendre le train au timecode affiché ici. Bon, déjà, il faut pas m'en vouloir d'avoir failli oublier d'évoquer le récit, puisqu'il tient sur un post-it. Allez de là à là-bas. En ce sens, Mad Max Fury Road a un scénario deux fois plus développé, puisqu'il s'agit d'aller d'un point A à un point B et de revenir au point A. Bon, pendant ce trajet, il se passe quand même pas mal de trucs, même si certains moments m'ont paru un peu artificiels. Comme si le film avait conscience d'être un spectacle et qu'il fallait le dynamiser régulièrement pour ne pas perdre le public. Donc c'est cool parce qu'on s'ennuie pas, mais à quelques moments, ça me semblait sonner quand même un peu faux. Cela étant dit, ce serait très réducteur de résumer l'histoire de 1917 à ça. Comme je l'ai dit, durant le trajet, le film en profite pour nous montrer quantité de choses et tout n'est pas destiné uniquement au but de nos personnages, à savoir essayer de sauver 1600 hommes d'un massacre assuré. D'autant plus qu'on nous dit clairement à la fin que tout ça n'aura servi peut-être qu'à repousser l'inéluctable de quelques jours. On peut accuser le film de mettre son scénario au service de la démonstration technique, ce qui est à moitié vrai. Le scénario sert à nous présenter différents lieux traversés au moyen du plan séquence. C'est en effet une sacrée démonstration technique. Seulement, la démonstration technique n'est pas le but final de 1917. Ce que je veux dire par là, c'est que si le récit sert la démonstration technique sert elle aussi quelque chose. Et pour comprendre quoi, il faut revenir à ce que je disais avant. La caméra, dans la manière qu'elle a de se déplacer, et dans ce qu'elle choisit de filmer, produit du sens. Et si elle peut produire du sens, elle peut aussi nous raconter une histoire. Et cette histoire, ce n'est pas seulement celle de deux hommes qui doivent apporter un petit message, mais c'est celle de la guerre tout entière. C'est flagrant lorsqu'on regarde les tout premiers instants du film. Le film s'ouvre sur un pré qui peut symboliser la vie, la quiétude, la fertilité, enfin plein de trucs que la boue et les cailloux ne symbolisent pas. La caméra s'éloigne alors de ce symbole et apparaissent dans le champ deux hommes posés à la coule. Un type arrive, leur dit qu'ils sont convoqués par le général. À ce moment, ils se lèvent et la caméra se lève aussi. Les hommes sont mobilisés. Mais où ? Pour faire quoi ? Comme les personnages, on n'en sait encore rien. Nos deux hommes marchent et la caméra devant eux recule. Ce qu'elle nous montre, c'est l'espace de quiétude que nos deux hommes laissent derrière eux. Ce qu'elle ne nous montre pas, c'est ce vers quoi nos deux hommes s'avancent. En cela, la caméra met du suspense à la fois pour nous spectateurs, parce qu'on sait pas de quoi va être constitué le film, et pour les personnages qui avancent à la guerre sans trop savoir en fait ce que c'est la guerre quoi. Le début est clairement une mobilisation des hommes qui marchent vers l'inconnu. Un inconnu fait de tranchées démesurées et de gradés toujours planqués dans des intérieurs. Cette histoire est racontée dans l'ordre, et pour le percevoir, il faut se concentrer sur les figurants. Au début du film, ils attendent. Il y a même des tensions qui apparaissent entre eux dans les tranchées. Lorsqu'on est dans le camion, les soldats sont devenus un peu cyniques, détachés de cette guerre qui s'éternise. Quand on s'approche de la fin du film, on voit au contraire des soldats qui ont traversé la guerre, et qui sont tous unis autour du chant d'un soldat. Les conflits internes, les remarques cyniques ont disparu. Il ne reste que des regards fatigués et mélancoliques.
La dernière vision qu'on a de la guerre, c'est le retour du soldat dans les infirmeries. On voit les traces que le conflit laissera à vie, mais aussi ce retour à la maison. De sa première à sa dernière image, 1917 fait le tour de la guerre. De la guerre de 14-18, mais aussi de toutes les guerres. C'est pas très utile de se demander si le scénario sert la démonstration technique, ou l'inverse. Les deux servent à nous raconter l'histoire de la guerre. Et comment mieux nous la raconter que grâce à l'immersion? L'immersion dans une guerre filmée avec tant de symboles qu'il est facile d'imaginer bien d'autres choses. Elle peut représenter des conflits plus actuels. Elle peut représenter l'enfer. Bref, 1917 est universel dans ce qu'il raconte. En fait, si le film doit interroger sur sa forme, je pense que c'est plus sur sa musique. Je l'ai trouvée dans l'ensemble excellente, même si elle a témoigné à quelques instants de... j'appellerais ça des excès d'enthousiasme. En fait, régulièrement, je me disais « Waouh, la musique colle super bien sans non plus être juste une béquille au film. » Et ça, dans un film à gros budget, c'est déjà un exploit. Mais systématiquement, je me demandais droit derrière « Mais qu'est-ce que ça aurait donné sans musique ?» Et je suis à présent hyper curieux sur ce sujet-là. Je rêve de revoir ce film sans musique. Je suis incapable de dire si ça serait mieux ou non, mais je pense que si un jour une version sort sans musique, ce serait sujet à des débats très intéressants. En attendant, 1917 reste un film incroyable pour la façon qu'il a de raconter une histoire. C'est un plan de 2 heures, qui utilise un récit qui en dure 20, pour raconter une histoire de 4 ans qui elle-même est universelle. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que ce film m'inspirait. Je ne sais pas du tout si vous trouvez ce genre de format intéressant. C'était vraiment un test, donc n'hésitez pas à me dire si d'autres critiques de ce genre vous intéressent ou pas. En attendant, n'hésitez pas à aller voir 1917. Vous verrez, c'est très cool, très immersif, si vous faites l'effort d'être réceptif au truc. À très vite !